Salut à tous, on est parti encore pour la cinquième partie, normalement, oui, cinquième partie, et l'avant-dernière de cette display Origine perdue. Alors, on en prend 6, 3, et les 3 derniers, non, attendez, ah, je sais pas, on va prendre du milieu, je sais pas pourquoi je le sens bien au milieu. Hop, voilà. Donc, 6 boosters, encore 2 Giratina, et voilà. Allez. Alors, cette série est un petit peu, comment dire, comme Évolution Céleste, c'est une série qui me plaît pas mal. Bon, voilà. C'est pour ça que j'en ouvre. Hein. Si vous avez vu, j'ai pas ouvert énormément de display sur la chaîne. Mais cette série est un petit peu particulière. Dans le sens où vous avez des cartes bon, qui me plaisent, notamment le Kyurem. J'aimerais bien le Kyurem, le Ptera et le Giratina. Bon, c'est ces cartes-là qui me plaisent. Peut-être un Dracaufeu, éventuellement. Voilà. Allez, est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien? Un Cornembre. Chenipat, Mélophée, excellent, Hippotron, énergie. Un coup de langue, c'est la première fois que je vois. Reliquant. Oh, on a un Rhinophéros, cool. Et derrière, on a un Tartare. Oh, je savais même pas qu'il y avait un Tartare. Il y a un Tartare dedans, voilà. Je veux dire, Tartare, c'est un des Pokémon de première génération. Donc, un Rhinophéros également, c'est un vieux Pokémon. Plaisir à voir, ça. Plaisir, plaisir. Hop. On est parti. Alors, j'ai pas pesé les boosters hein, pour savoir si dedans on aurait une super carte ou pas du tout. C'est vraiment, on va de surprise en surprise. 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, je pense qu'il n'y a rien. Blitzy, Machoke, Pikachu, première fois que je l'ai. Je crois qu'il existe en reverse. Si je dis pas de bêtises. Le Spectrum également, je l'avais jamais vu. Oh, le Tétard, il est vraiment très beau avec le design. Très très beau. Coup de langue, boîte à désastre. Ok, boîte à désastre. Et Interpo. Eh ben, on va regarder la boîte à désastre. Bon. J'en collectionne un petit peu, mais en reverse, c'est pas non plus ce que je collectionne le plus, plus, plus. J'aime bien avoir un Pokémon, généralement. Mais ce sont des cartes, je pense, plutôt sympathiques à regarder, même dans le temps après. Donc, voilà. Allez. On pourrait avoir un code noir. Voilà, ça a l'air compliqué. Hein. 3, 4, 1, 2. Cette série est particulière en termes de hit. Soit on a tout, soit on n'a rien. Machoke, le Pikachu, énergie, pompe à dégâts. Dépasser deux marqueurs de dégâts. Comme il vous plaît. Ok. Coléodome. Ah, je vous ai un petit peu spoil l'autre. Rhinastock. On n'avait pas Rhinophéros tout à l'heure. Ah, si. Ah, bah, si, on a l'évolution. Mais... Stock. Oh bah, oh, il y a un Déméteros. Oh bah, ouais. Allez, je découvre avec vous hein, un petit peu. Hein. Il y a un Déméteros dans la série. Alors, si on peut l'avoir en holo, lui. Ah, c'est cool, j'ai l'évolution. Ouais. Ça, c'est cool. J'ai Rhinophéros et Rhinastock en reverse. Manque plus que Rhinocorne en reverse et on est parfait là. Ok. Bon, trois petites cartes, c'est pas non plus le Nirvana. Mais ce sont des petites cartes sympatoches. Hop, on a un code noir. Oh. Attendez, hop. Est-ce que le code noir peut nous mettre une carte qui donne envie, quoi? 3, 4, 1, 2. Oh, je pense que c'est une V. J'ai un petit peu triché, j'ai senti un petit peu sous le doigt. Je pense. Je vais vous donner le code déjà. Hop. Parce que là, on a un hit. Anchouette, Ilionceau, Fungfouin, Massoui, Funissir, Busy. C'est quoi ça, Branette? Branette en rare, oh, ça c'est cool ça. C'est un Branette en rare reverse, ça j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup en plus avec l'effet Giratina autour, on valide, on valide. Oh, j'ai beaucoup d'orage chez moi, alors... je sais pas si ça va couper la vidéo, non, je pense pas. Marcia, Reliquant, Aspirateur perdu. Alors, on a quelque chose derrière, et on a une énergie, hop, voilà. On va regarder, ah c'est une V je crois. Hein. Ouais, c'est une V. C'est ça. Amovenus V. Ok, 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 c'est pas... C'était pas ce qui était attendu, hein, j'ai envie de dire, mais... Ça rentrera dans la collection, c'est toujours sympa à avoir dans un classeur. Voilà. Entre une V et rien, on prend la V. Hein. Hop. La carte a du mal à ramper, du coup, elle fait des... Elle se plie un peu. Ouais. Ok. Vous voyez, je préfère presque le Branette qui est bien plus joli en termes de design que la V. Mais bon, ça c'est une question personnelle. Hein. Le Branette avec cet effet Giratina autour. Cet
cet effet de dimension plutôt que cette V. Bon, voilà. Et c'est pas, je crois que c'est pas la meilleure de la série, mais voilà. Allez. Ah, je pense qu'on a atteint le quota de la display. 2, 3, 4, 1, 2. Qu'avons-nous? Machoke, Pikachu, Nipoutou, Mystère, Funessir, Énergie, Charter, Martien, Porygon 2. Je crois que j'ai le Porygon normal. Ah, on a un truc derrière. Dynavolt, et encore Brunette. Ok, on l'a deux fois. Voilà, je suis allé un peu plus rapidement, hein, sachant qu'il n'y avait rien. On a un petit Brunette. Ok. Hop, et le dernier booster de cette vidéo, et après vous aurez une dernière vidéo et ça sera fini. C'est un code blanc, je pense qu'on va avoir que des codes blancs sur la fin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ouais, 1, 2. Tac, Mélofée, excellent. Hippotrempe, Polichon, Sang Cookie, Énergie, Colimuscus de Issui. Ah, on a quelque chose. On a quelque chose. Hop. Je vous donne un code. Tac. Voilà. J'ai vu qu'on avait un petit truc, quoi. Normalement. Bon, ce ne sera pas un drac au feu, malheureusement. Nigosier. Très beau Nigosier. Très très beau Nigosier. Très très beau. Armand. Et c'est une TG. 100, TG11. Morpheo. Oh. Ah oui, il est sympa. Il est mal cadré. Il est mal carré, mais il est sympa. De toute façon, ça ira pas chez PCA, mais il est sympa. Il est sympa. Honnêtement, ouais. Entre ça et rien, je prends la petite carte Morpheo. Et en plus, ça va rendre super dans un classeur. C'est très bien. Très bien. Allez, on va pas faire le difficile. On va essayer de mettre la carte sans l'abîmer. Voilà. Je vous fais un petit récap. Hop. Léger, j'ai envie de dire. Léger, mais bon. On peut pas être toujours au top. Dynavolt, Brunette, une V, un Rhinastock, un Rhinophéros, une boîte à désastre et un petit Morpheo TG. Donc on aura eu deux hits en fait. Deux hits, j'ai peur qu'on se rapproche de la fin des hits de la display. Mais on verra sur la dernière partie. Voilà, on va voir. On va voir si mon instinct est bon ou pas. Allez, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ciao.